Énorme de jouer ici. C'était un rêve avec les copains depuis des années. J'ai des copains auvergnats à Paris. Et là, je les ai appelés tout à l'heure, tout le monde en FaceTime, genre tous mes potes passionnés de rugby et tout, ou auvergnats en disant, mais regarde, où est-ce qu'on va jouer. T'arrives et t'es dans les 22 de l'ASM, quoi. Donc t'es là, genre, moi j'ai tapé des pénalités toute l'après-midi. C'est un bonheur, l'accueil. Tu vois, ils m'ont offert un maillot, c'est pour moi, c'est Rougerie qui l'a signé, c'est magnifique. En fait, j'ai fait ce métier-là pour vivre des moments comme ça. J'avais les larmes aux yeux dans mes loges de tout ce qui se passait. J'avais mes proches que je vois pas, du coup, là, c'était le 5e concert cette semaine. Et de me dire, putain, on vit ça, c'est incroyable. Après un an de pandémie où j'ai vu personne depuis la sortie de mon album, j'ai vécu dans le Truman Show, j'ai vu personne. Et là, de me retrouver là, de voir que c'est plein, que... Il y a du monde partout, que ça saute, que ça crie, que les gens connaissent les paroles. Et en fait, j'ai chanté Mélancolie FC, c'est le premier titre de mon premier EP, qui s'appelait Mélancolie FC du coup. Et chanter Mélancolie FC dans un stade, pour moi, c'était absolument dingue. Donc tu dois revenir pour un match la prochaine fois. Bah, bien sûr que je reviens pour un match. Là, il n'y a même pas la question, on ne se pose même pas. Bah écoute, en tout cas, merci. Je reviendrai à Clermont, les Auvergnats, ils sont énormes, les Auvergnats aussi, ils ont un cœur énorme, toujours, même à Paris. C'est comme moi, je suis d'origine bretonne, il y a ce truc-là de région qui est assez sain et beau, et tu vois, avec une culture de la bouffe, une culture du son. Ici, il y a Bachoum qui est venu là, il y a Christophe qui a fait des résidences ici, c'est un endroit important pour la musique en France. Voilà. Merci Europavox. Vous sortez d'Hervé, et comment c'était ce concert? Énorme. Franchement, il a vraiment envoyé, c'était vraiment très très bien. Ça fait longtemps qu'on attend le concert et on est contente. Non mais de ouf. Ça fait plaisir de bouger, de retrouver le public, de retrouver des concerts. Et vraiment, c'était une bonne entame d'Europavox pour moi. C'est ma première journée Europavox, c'est vraiment super. C'était électrique, c'était magique, c'était voilà, c'était la belle patate. Énergie, belle sauter énergie. Sur scène, belle énergie. Génial. Vraiment... une énergie de dingue, Hervé. Est-ce que Hervé pourrait faire des tutos pour m'apprendre à danser? Parce que des trucs comme ça, là, j'aimerais bien savoir les faire. Non, en vrai, c'était super cathartique. J'ai l'impression que tout le monde était complètement on fire, mais tout le monde était super heureux de se retrouver, en fait. Bah, Hervé, déjà, et nous, j'ai l'impression qu'il y avait une énergie, c'était assez ouf, quoi. Ça fait du bien de voir des gens. Ça manquait, après tout ce temps. C'était énorme, c'était très très puissant. Ça fait beaucoup de bien après tous ces mois enfermés. Les artistes sont vraiment cool cette année, donc je suis contente d'être là. Très sympa, c'est la première fois que je fais un festival dans un stade, mais ça a l'air marrant. Barev Jess, mer khambiano na dadani vaye. On dit qu'on fait la musique métissée. Une musique qui a beaucoup d'influences de traditions du monde, mais avec des touches de musique actuelle, parce que nous, on est influencés par beaucoup de genres de musique. Ouais, moi, je m'en souviens, c'était Morshiba. Alors, je me souviens plus du titre de l'album, mais c'était ça. Et Jacqueline, je sais même pas si tu as déjà acheté un disque. Je crois qu'en fait, j'ai jamais acheté un disque moi-même. Il y avait toujours des disques à la maison. J'avais un poster de Pokémon. Aïe! Ouais, j'adore danser sous la scène, partout. Voilà. Une fois, je cassais ma jambe en dansant à la maison. Je m'entendais même pas, en fait. Je tournais, je sais pas qu'est-ce que je faisais, mais j'étais à fond comme d'habitude. Et je pris très fort le chaise avec mon pied. Et j'ai pas capté, en fait, que je le cassais. Je marchais une semaine avec une cassure. En fait, on a un plat qui s'appelle Harissa,
Mais ce n'est pas le harissa comme dans le monde arabe, c'est harissa, un truc piquant. Ce n'est pas comme ça, c'est, en fait, c'est avec des graines, un mélange de graines avec des bouts de poulet et du beurre. Bah, c'est chez ma grand-mère, hein. C'est directement, on arrive en Arménie, on va directement chez ma grand-mère. Mais par contre, il y a bien sûr notre lac, c'est un lac familial. Qui était construit par mon grand-père. Ben, moi, j'aime bien la citadelle. Et puis, j'aime bien le quartier Oisem à l'approche de l'été. Déjà, tous les deux, on a étudié au conservatoire de jazz. Du coup, il y a quand même une scène de musiciens de jazz. Et il y a aussi pas mal de musiques du monde qui sont, surtout dans ce quartier de Oisem. Ce qui me rend heureux, c'est le beau temps, la bonne santé. Quand je suis bien corporellement, tout va bien. Et puis aussi avoir des choses à faire et sentir un peu d'avoir une petite utilité dans ce monde, quoi. Ouais. Bah, c'est quand même une porte à construire quelque chose, à arriver à rencontrer plein de gens différents, des différentes cultures et d'avoir des opportunités et des soutiens aussi pour prendre le temps de construire, en fait, des choses à quoi tu rêves ou que tu as envie de faire. Oh,
Nous sommes la Daniva et on va faire pour vous quelques morceaux. La prochaine, c'est Aïde Yannan. Continue avec une chanson qui s'appelle Pourquoi t'as fait ça? Aïe 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 aïe. Pourquoi t'as fait ça? Aïe 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 aïe. Ne recommence pas. Tu sais que si tu m'en fais qu'à ta tête, je vais te faire quitter ma planète. Ce n'est pas pour toi qu'elle est faite. Ah, si tu continues d'être bête. Aïe 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 aïe. Pourquoi t'as fait ça?
ne recommence pas. Mais pourquoi t'as fait ça? Ne recommence pas. Ok, on va finir par une chanson qui s'appelle Kevchilini. En arménien, Kevchilini, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fête. Pourquoi il n'y aura pas de fête? Parce que mon bien-aimé, c'est pas danser. Comment c'était? Ouais, c'était bien. T'as dansé? Un peu. Oh, vous étiez au concert de Suzanne, c'était comment? C'était super. Elle a une énergie de malade, quoi. Incroyable pour moi, incroyable. J'adore Suzanne. Je la suis depuis un petit moment et incroyable. J'adore. Non, c'était une belle énergie. Elle s'est dit qu'elle avait, qu'elle était contente de revenir sur scène. Donc non, c'est cool. C'est cool. Vraiment fou. Très bien. Moi, je venais voir Suzanne en partie. C'est hein. J'aimais trop. J'étais à fond. On était tout devant. J'étais très contente de la voir. C'est vrai. Ouais. C'était top. C'était vraiment bien. Beaucoup d'énergie, c'était vraiment très sympa. On connaissait pas Hervé, on aime beaucoup Suzanne par contre, mais Hervé est sympa aussi. Ouais. On va rajouter à nos playlists. Est-ce que Suzanne, c'était top, mais vraiment top. Mais vraiment, vraiment top. Donc c'est bon, vous avez appris les pas, vous allez danser comme elle ou ça se passe comment? Ah mais tout à fait. Je suis capable. C'était vraiment top. J'ai adoré les paroles, les chansons, le rythme, tout. Pareil.
Ambiance de fou. Je suis Pierre Veillé, je suis rédacteur en chef de plusieurs magazines, Plugged, My Rock et Reggae Vibes Hip Hop. Aujourd'hui, c'est pour la femme que je viens essentiellement. Et puis après, je suis curieux, donc là, il y a Pomme qui passe, c'est très bien. Après, avant, j'avais vu Suzanne, je ne l'avais jamais vu encore. Donc, ouais. Ça fait, les festivals, c'est fait pour, faire des, pour avoir des découvertes et tout ça, donc j'en profite. Ça fait plaisir de revenir dans un festival déjà, pour commencer. C'est clair, ça fait longtemps les concerts. Franchement, ça fait trop plaisir, ça fait trop chaud au cœur. Et... Non, mais toutes les sensations qui reviennent et tout. Non, mais c'est vrai, j'ai failli pleurer au bout d'un moment. Nous, c'est la première fois qu'on emmène les enfants dans un concert. Et après un an enfermé à l'intérieur, franchement, ça fait du bien. Merci. Merci le festival. Merci. Allez, EuropaVox, c'est tout. On est super contents. C'est le premier festival que je fais depuis deux ans. Je suis super content. Non, il y a du taf de mis en place quand même. Et franchement, c'est très propre, c'est carré. C'est super, c'est super. Ouais, c'est bien. Très belle programmation quand même. Franchement, merci EuropaVox, ça fait revivre un peu après cette épidémie, pandémie, truc, après le Covid, quoi. Franchement, c'est cool, on se retrouve un peu tous, ça met une bonne ambiance et franchement, c'est cool. Dansez, ne restez pas assis, profitez, ouais, dansez. Vachement du bien, c'est cool et j'ai hâte d'être à l'an prochain. La vie reprend, les concerts reprennent, les gens se retrouvent, l'énergie est débordante. C'est beau. Et peace and love pour tout EuropaVox. Pascal Andrieux, donc je travaille chez Malakoff Humanis et je pilote tous les projets sociaux, sociétaux du groupe. Qu'est-ce que vous proposez pour les festivals ? Alors on est très engagé sur le handicap notamment et on voit bien que les personnes situées dans le handicap, la culture malheureusement, ils sont souvent empêchés. Donc l'idée c'est d'accompagner les festivals, des gros, des plus petits, une vingtaine cette année, à accueillir les personnes en situation de handicap avant le festival pour qu'elles se rendent compte qu'on peut accéder à des festivals, mais également sur place, les points d'information, les dispositifs sonores, les plateformes et plein d'autres choses. Et l'idée, c'est d'accompagner les festivals sur une durée de 3 ans pour que ceux-ci puissent améliorer leurs dispositifs. Et au bout de 3 ans, on s'en va et tout marche bien pour les personnes en situation de handicap. Et alors sur EuropaVox, on en est où du coup ? Eh bien, je pense qu'il y a pas mal de choses. Alors là, on est dans un dispositif un peu transitoire finalement parce qu'on est dans un stade. Mais en me baladant en tout cas sur le festival, je vois que l'accueil est bien réalisé. Les personnes sont au courant, les accompagnateurs, donc ça se passe plutôt mal. Et j'ai interrogé 2-3 personnes, elles sont contentes. Un dernier mot pour EuropaVox 2021, une pensée Je pense que c'est le premier festival finalement qui a lieu dans cette évidemment, campagne d'été des festivals. C'est de bon augure. On était présents nous sur le festival test, enfin, le concert test à l'Arena. On est présents la semaine prochaine à Solidaires pour le concert pour les passions. Et donc, c'est un bon démarrage, en tout cas, une bonne image pour les prochains festivals qui auront lieu cet été. Sur le festival, du coup, notre mission, c'est de faire de la prévention chez les jeunes, parce que nous, on est plus sur les jeunes, donc 15-25 ans. Et on traite plusieurs thématiques, les addictions de produits psychoactifs, la vie affective et sexuelle et les risques auditifs. On distribue du matériel gratuitement de prévention et on propose aussi d'échanger avec les jeunes sur les différents sujets. Centre Europe Direct, qu'est-ce tu peux nous dire tes missions ? Nos missions ? Alors nos missions, c'est faire connaître l'Union Européenne et faire connaître les droits que l'Union Européenne offre aux citoyens et être l'antenne locale qui permet aux citoyens justement d'être, de se sentir plus proche de l'Union Européenne et de mieux la connaître parce qu'on s'est rendu compte que quand même beaucoup de gens ne connaissent pas l'Union Européenne et n'ont aucune idée de à quoi ils ont droit. Donc mobilité, financement, appel à projet, etc. Vive l'Europe et vive le festival. Alors Cassiora, on est une association d'éducation populaire. On organise des chantiers internationaux de bénévoles dans la région et on travaille en partenariat avec des associations dans le monde entier pour travailler sur la mobilité et le volontariat. Un chantier international de bénévoles, c'est un peu comme un mini Erasmus de 2-3 semaines qui a lieu pendant l'été. Le but, c'est de réunir des personnes de nationalités différentes pour qu'elles travaillent ensemble autour d'un projet qui est utile. Ça peut être de la restauration du patrimoine, mais il y a de plus en plus de projets pour la sauvegarde de l'environnement. On a aussi des projets en soutien des festivals. Merci EuropaVox. Les festivaliers, profitez bien. J'ai ouï dire qu'il y aura peut-être un second round avec des petits groupes européens. Donc on a hâte que ça se fasse et soyez curieux. Voyagez, profitez et soyez curieux. Mūsų grupė yra Garbanotas iš Lietuvos karalystės mažosios. Ir nežinau, kaip čia labiau apibrėžt, kas mes tokie. Psychology music, psychology rock. We are psychology artists or something like that. Yeah, like something for
improving the health, emotional and psychological health of people, let's say, not only in Lithuania, but everywhere. We had a lot of records at home because our parents used to listen to a lot of music. So I think we bought some new music very late. And for me, it was Offspring, Americana. Also Scooters, I remember. Something from those times. Well, we had a big, like that, a photo of Led Zeppelin standing by their plane. It's still in our childhood room. This band, somewhere from the east, like Russia or Belarus, at Kaftan Smecha, and they were playing in local like venue here, and it was amazing, like this theater mixed with music with the concert. There is a lot of things happening, I guess. New video clips, new young bands are coming from somewhere, from their garage or rooms, and they, I don't know, it's quite live, I guess. It's alive. It depends, because we have like very different seasons here, like very cold winter and a hot summer. Yeah, we have this cold beetroot soup that's really nice. I miss it already, but it's because I miss hot summer days, and it's very good to eat on hot summer days. The first thing that comes to my mind is that Vilnius is a cozy, old and a green city. This feeling when you're really living, and it's always connected with movement, like any kind of movement, like even just going to walk around, but also with like these bigger movements during life, you know, when you look back, let's say you look back for 1 year, what did you do, and you see that you really moved, like from one place to the other, like in mind or in, around the world and everything. So moving makes me happy. Basically, I think Europe is history and culture. The dream Europe is happening, I guess. It's also movement. Yeah, it's constant movement. It's constant being alive as European. Yeah. It's kind of strange place, but we think that it would, I don't know, like somehow fit with this time when everything is closed and airport is closed, and we are like near of it, trying to shout loud to be here or something. Sound for all the kids who believed once they had their wings. And let's make a sound for all those island leaves whose snake took the fruit to decide what's bad and worse. Didn't accept the ones who were coming there.
We're gonna play some melody for those who still believe in lame.
Voilà, je suis cuisinier, je travaille à droite à gauche, très impliqué dans le milieu associatif culturel et puis je m'occupe de deux restaurants sur la ville de Clermont. Surtout. Et alors ici sur EuropaVox, qu'est-ce que tu proposes ? Eh ben, on a essayé de proposer, ça fait 3-4 ans là, qu'on a mis ça en place avec François, on a essayé de proposer un petit assortiment des goûts européens. Sous version tapas cette année froid, donc il y a 6 petites bouchées froides à déguster. Et puis dans la petite carriole, on a fait des trucs chauds, sympas, arancini italien, slovaski, brochette d'agneau grec, voilà, curry burst, enfin voilà, pas mal de choses à découvrir. C'est un peu l'esprit street food européenne, et puis voilà, ça nous tient à cœur de travailler nous que des produits frais, donc on fait un petit beignet hongrois, la prune, on fait la pâte, on a tout fait derrière, on fait tout au moment, enfin on essaye de rester dans cette espèce de savoir-faire et de... cette volonté de servir quelque chose d'authentique, quoi, un vrai goût. Quoi. Génial. Est-ce que tu as vu quelques concerts ou pas ? Je suis bien placé, là, je suis aux premières loges. Il y a un groupe chouchou pour toi ? Un groupe que... Ouais, j'ai adoré Mustang, bon, c'est les locaux. Voilà, j'ai découvert The Doug aussi, j'ai beaucoup apprécié. Mais globalement, je trouve que la prog est géniale, comme d'habitude. Quoi. Bah, EuropaVox, c'est fantastique. Quoi. Je suis super fier d'être dans l'aventure. Et bravo, merci. Kat, Arnaud, en 2-3 mots, vos missions sur le festival, c'est quoi ? Principalement, s'occuper des bars. Ouais. Ouais, c'est ça, des clients. Leur donner à boire et leur donner à manger. On est là pour que eux, les gens qui s'amusent, eh ben, prennent du bon temps et puis viennent boire un petit coup de temps en temps, manger un petit morceau et repartir. Et que eux soient contents quand ils se barrent. On est content de pouvoir être dehors et de réécouter de la musique live. Et bien sûr qu'on est rincé. Mais derrière, quelle joie, quoi, quand les gens ils ont un sourire jusque-là et puis qu'ils disent ouais, « c'était vachement bien votre truc », etc., etc. Je m'occupe de la direction de production du festival. C'est tout ce qui
et l'accueil de tout le monde, l'accueil des gens qui travaillent, l'accueil du public, l'accueil des artistes et puis la coordination de tout ça. Je m'occupe d'imaginer les sites, de voir ce qu'on peut arriver à faire d'un espace, de le rendre chaleureux, que les gens puissent y passer un bon moment, mais pas simplement que les spectateurs, également les gens qu'on va accueillir, qui sont les artistes, et également les gens qui y travaillent, parce que les trois doivent être accueillis, pour moi, dans les mêmes genres de conditions, afin que tout soit en osmose et que tout le monde passe un bon moment dans un cadre agréable. Je m'appelle Martin et je suis responsable bénévole pour cette 15e édition du Festival EuropaVox. La mission, moi, c'est de m'occuper du merch et de faire l'accueil du public, de renseigner tout le monde sur toutes les conditions sanitaires, les passes Covid, voilà, tout ça quoi. On fait partie de la Brigade Verte, donc notre mission c'est un peu faire en sorte que le site soit propre, vérifier les poubelles, qu'il y ait du papier toilette dans les WC, vérifier tout ça. On est très 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 content de retrouver tout le public et tout le monde et ça fait très plaisir de retrouver l'ambiance festival avec tout le monde. Je suis au bout du rouleau. Mais en vrai tu fais quoi sur le festival? Tu t'occupes des réseaux? Non. Mais dis-nous ce que tu fais, purée. Je t'en supplie. Je clique.